Bonjour à tous et à toutes, je suis Alessi, bienvenue pour la fin, deuxième partie, et donc la vraie fin j'espère, de la deuxième affaire de Miles Edgeworth Investigation Ace Attorney. La dernière fois dans cette soute que nous avons inspectée pour savoir si c'était oui ou non le lieu du crime, il s'est avéré que le crime n'était pas dans la soute mais ailleurs, que la statue de Monsieur Lablan était une fausse, et que non seulement l'arme du crime n'était pas la tirelire, mais une chute mortelle de haut des escaliers, et la contradiction du témoignage de Mademoiselle Momi, Jessica Momi, qui est toujours aussi défoncée. Et donc du coup, nous devons l'interroger pour savoir ce qu'il s'est réellement passé à l'escale. Ah oui, est-ce que tu te l'en souviens? On dirait pas. Et bien sûr. Waouh. Exactement. Bon, au moins elle est défoncée, mais... Non, elle est défoncée vu l'état de ses yeux. C'est suspect, dis donc. C'est vachement suspect tout cela. Bah ouais, mais... Elle dort! Elle dort, et la musique n'est pas du tout forte, je ne l'explique pas. Ah, blablabla, oui, ah, là, dedans. Oh, mais arrête de dormir. Bon, bah, on va attaquer celle-là. Et oui! Bah, réfléchis deux secondes. Attends. Où est-ce que c'est? 8h à midi. Non. C'est pas ça. Merde, où est ma preuve? Où est-ce que c'était? Ah oui, voilà. Non, c'est pas ça. Ah bah oui, laissez dans la salle. Ah voilà. Évidemment, je le savais. J'avais juste complètement zappé. C'est bon, calme-toi, déçu. Mais calme-toi. Mais calme-toi. Et oui. Elle ne s'en rend pas compte. Mais elle est déjà coupable. Mais tiens donc! Voici le nouveau personnage assez ennuyeux qui dépasse de très très loin
notre cher procureur prodige Francisca. On tue sur la commode que tu fais aux toilettes. Mon Dieu, c'est la meilleure excuse du monde. Est-ce que tu aurais des analyses d'urine pour me le prouver? Je te crois absolument pas. Ah mais si je veux t'expliquer et t'enfoncer encore, vas-y. Ouais, monsieur. Ah oui, et pourquoi? Oui. Des arguments convaincants, j'avoue que je suis waouh, incroyablement ébahi par une telle déclaration. Vas-y. C'est un problème de régler, Benjamin. Oui. Alors, non, déjà, pour commencer. Oui, tu es blablabla, oui, mais vous devriez peut-être suspecter May. Parce que elle a le pass multiple ascenseur. Oui, donc je suppose que tu peux me sortir comme argument valable. Hein? Oui, de quoi t'occupes-tu? Waouh! Ouais, donc en fait, tu fous rien. Le parce que t'es trop conne. Elle parle le borginet. Ah, oh, mais. Mais dis donc, mais ça tombe bien. Mais... Non, pas ça. Mais ça tombe bien que tu en parles. Incroyable. Oh, c'est... Tout ce goupille, c'est... Waouh. Regarde, j'ai justement un document en borginet. Est-ce que tu pourrais me l'expliquer? Objection. Je suis en train de mourir tellement je suis malade. Le mal de gorge, c'est... Waouh. Elle m'énerve. Elle m'énerve très fort. L'arme du crime, en fait, c'était la peluche qu'elle tient. Waouh. Ta vie est... intéressante. C'est la vôtre. Et paf. Paf la pastèque. Ah bah oui, évidemment. Un temps de réaction à toute épreuve. Oh mon Dieu, ce doigt. Regardez ce doigt. Il est beau le doigt. Elle en a tellement rien à faire en fait. Voilà, mais... Oh mon Dieu. Le vrai visage. Oh. Et qu'est-ce qu'elle fait? Des bébés? Elle fait des bébés. Donc en fait, elle ne dormait pas du tout. Ah mon Dieu, ah bon? Bon d'accord, bon elle a signé un document donc, elle est à moitié coupable. Oh c'est... Oh, la bébule! Oui. Bah si. Regarde, même elle le dit, ce qui prouve quand même que c'est possible. Il a été assassiné. Tu rejettes beaucoup trop la faute sur les autres, c'est beaucoup trop suspect. J'essaye de faire des bulles. Elle me lance des bulles. Oh mon Dieu.
C'est incroyable tout ce qui se passe. Et oui. Attention. On y arrive. Si c'est pas ça, j'ai juste envie de me dire que je me coupe tout. J'ai envie de dire prends ça. Voilà. Pourquoi donc? Parce qu'elle est moche, surtout. Mais parce que aussi. Parce que, bah, y'a que elle qui peut voir. Et oui! Et bah là, tout serait en place pour qu'elle soit coupable. Ah là là, c'est beau quand même. Pourquoi? Mais des questions... des bonnes questions que tu poses. Là, là c'est simple, c'est de savoir quand le meurtre a eu lieu. J'aime pas quand cette barre reste là parce que je me sens pas confiant. Non, ah bah c'était pas ça. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'était où ? Voilà, c'était où? Et voilà, c'était exactement ce que je voulais faire et ce que je voulais dire. Ah mon dieu, tant de révélations! C'est moi où elle s'en fout tellement fort qu'elle baille? Ouais, donc très bien. Non, c'est vrai, tu peux être sérieux. Tu connais des mots pareils? Arrête de me lancer des bulles! Ce serait le portable disparu, et j'ai envie de dire que, oui, c'est totalement ça. Du coup, prends ça. C'est totalement le portable disparu qu'on n'a jamais retrouvé. Le puzzle complexe, effectivement, mon cher Benjamin, le portable. Est-ce que tu as son numéro? Exactement. Et oui, Francisca utilise le téléphone portable. C'est un énorme ralentissement de l'émulateur. J'en suis désolé. Ça va. Y'a pas un jeu de...
Y a pas un jeu de chaud-froid? Vite, courons! À 10 frames à l'heure. Parce que le jeu n'est pas foutu de charger. Ah, on entend. Clairement, on entend tout. Et donc, dans la salle des hôtesses. Nous devons le trouver. Évidemment, dans le casier. C'était évident. Et là, révélation de Vouguelin, c'était dans le casier de Mei. Voilà, parce que on fait les choses bien, le scénario est bien fait, on fait tout pour accuser la même personne. Ce crime est tellement bien fait que ça m'énerve. Je suis profondément choqué. Mais c'est impossible en effet, du coup je ne m'explique pas. Je ne suis pas d'accord. Oh putain, tu fais des suppositions mon grand, c'est pas bien ce que tu dis, c'est pas bien ce que tu dis. Seule épreuve matérielle comptée, oui je sais. Ah là là. Que dois-je faire, mon dieu? Évidemment, elle a toujours raison sur le fait qu'il faut des preuves, sinon bah les mots ne réfléchissent pas. Bah oui. C'est... Ah mon dieu! Attends, j'ai une preuve! Et oui, c'est la carte ultime! C'est incroyable! Alors attention, examinons! Examinons de plus près cet appareil. Oh bonjour! Tu es quoi toi? Ah mon dieu, il faut que tu regardes les photos. C'est le même en blanc en fait. Tu me l'as fait pas. Et oui. Mais je connais la stratégie, c'est comme les voitures, il faut mettre le fil bleu et le fil rouge en contact. Tout le monde le sait, ou alors on peut mettre... Ou alors... Je ne suis pas d'accord, il faut changer la batterie. Aha! Et oui, incroyable. Du coup, il faut un câble USB à téléphone pour faire un téléchargement incroyable. Oh mon dieu, regarde-moi ce duo de choc. J'effectue le transfert alors. En vrai, ça doit prendre au moins 5 bonnes minutes. Et les photos. Une photo. Mais oui, c'est clair. Regardons cette photo. Oh, mais ces valises vont nous aider, évidemment.
Bah là, il y a un trou. Oh, mais une seconde. Ces boîtes à côté n'étaient pas là. La blanc, bonjour. J'ai besoin de toi. Parce que je sais tout maintenant. J'ai tout compris. C'était un enquêteur de génie. Et oui. Regardez bien. Regarde bien. Parce que maintenant, tu es perdu. Prends ça! Eh bah écoute, c'est simple. Non? Non, tu l'as pas. Non, t'as pas compris. Tu n'as pas compris. Très bien. Ok, oublions. Ce n'était pas du tout ça. Mais alors, que dis-tu? Ah bah oui, ça parle de tissu, je suis trop con. De ça! Bah regarde. Voilà, voilà, tu vois. Une question me revenait à l'esprit. Où a-t-il... Oh là là, où a-t-il pu trouver le tissu? C'est bizarre. Il l'a trouvé dans les caisses. Est-ce que tu as compris maintenant ce que je voulais dire? C'est incroyable. Tu n'es pas d'accord? Oh là là! Bah oui, bien sûr. Dans ce cas, je te propose... autre chose. Eh bien, dans ce cas... il aurait ouvert ceci. Les draps de lit. C'était évident. Que tu es trop conne. Et oui, c'est bien, tu suis, Francisca. Et oui, incroyable, tu comprends vachement vite en fait. C'était toi. Est-ce que tu vas faire un breakdown? Waouh, magnifique image. De peluche. Est-ce que tu avoues maintenant? C'est ainsi que Jessica Momir est morte, frappée par des bulles de savon. Tu l'as tué, oui, tu l'as tué, tu peux le dire. Tu as commis un homicide volontaire, tu vas croupir en prison. Très longtemps. Très, très longtemps. Oui. Ah là là, détective incroyable, cette journée d'enquête est terminée. J'ai envie de dire que j'en ai plein le cul.
Écoute, hein. Ouah, des phrases du turfu. Ah, bonjour, May. Comment vas-tu? Mais de rien, mais tu peux virer les valises de la boutique maintenant, s'il te plaît? C'est bien. C'est un geste? Mais si tu me l'as efficace. Oh, comment il drague tellement mal. Et bien sûr, je suis certain que cette valise sera un MacGuffin dans ce jeu. Mais moi, je t'oublierai très certainement. Parce que je vois beaucoup trop de gens en ce moment et ça m'énerve. Incroyable. Oh, c'était cool, t'es qui tu as fait ton animation de la journée. Ah oui, d'ailleurs, où elle est Ah bah oui, elle est... Comment... Ah, elle se casse. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Interpol. Décommander la voiture? Pourquoi faire? Oh mon dieu, il se passe des choses. Bonjour Francisca, comment vas-tu? Ah oui, bonjour aussi. Je suis content de te voir. Ah oui, tu es avec un arbre d'eau qui parlait face à ce petit bleu d'avocat de la défense qui était Phoenix Wright, on s'en souvient. Mais tu as changé, j'en suis sûr. Mais il en a perdu un face à ce même petit bleu qui était Phoenix Wright et c'est sans doute un coup de chance que, hélas, il est fini en prison pour un meurtre qu'il a commis envers mon père. Et tu as un fouet et incroyable, mais vrai, vous voyez que je suis toujours à fond pour préparer ces enregistrements. Parce que mes ordi ne sont toujours pas chargés. On va dire que vous n'avez rien vu. Un autre agent. Oh, mon dieu. Oh, mais qui est-ce? Ah mais j'en suis sûr. Mais comment s'appelle-t-il? Je veux avoir son nom. La bataille ne fait que commencer. Waouh, tu fais des phrases de ouf. Mais si tu veux, écoute, c'est toi qui vois. Bah oui, bah écoute, hein, elle fait sa vie. Tu étais d'une aide et d'une compagnie, on va dire agréable. Ce jeu qui rame, ça m'énerve. C'est à cause de la 3D, j'en suis sûr. Hein, tu mets ta ceinture cette fois, s'il te plaît. Non mais ça affiche rien, arrête de ralentir. Et donc c'était avant la première affaire, alors donc. Oh, téléphone. Mais qui est-ce?
Richard Vachalet, oh mon dieu, des jeux de mots qualitatifs. Mais qui es-tu, Richard? Oh mon dieu, que se passe-t-il? Oh mon dieu! Mais tout cela, un jour. Enfin, vous êtes. C'était obligé de faire un fondu pour autre chose. C'est un peu débile. Choqué, déçu. Donc oui, on va se le garder. Voilà. Et puis nous allons nous quitter sur cette affaire, ma foi, intéressante. Alors là, par contre, toutes les autres parties, en comptant celle-là, les trois dernières parties. Oh, regardez-moi ce franciscain incroyable. Regardez bien ce visage. On sent toute la détermination. Donc ouais, tous les épisodes durent une petite demi-heure, contrairement à une heure et demie du tout début, ce qui est pas plus mal en somme. Et donc cette volte-face aérienne, et ben ma foi, c'est cramé. En fait, c'est totalement cramé. Disons que là, l'intrigue, ça commence bien pendant 1h30, puis après, au milieu de l'enquête, tu te rends compte que tu... J'avais déjà mon idée sur l'assassin. C'était soit le commandant, soit l'autre hôtesse. Mais là, nous faire une révélation, mon dieu, c'est l'hôtesse. Je suis un peu déçu de cet épisode. Bref. J'espère néanmoins que cet épisode entier et cette partie vous aura plu. Je vous invite à laisser votre meilleur pouce bleu et de commenter sur cette vidéo ce que vous en avez pensé. Et je m'excuse hein, pour les ralentissements et... Le petit message, votre batterie est faible. Ce sont des choses qui arrivent. Et sur ce, je vous recommande, je vous invite à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, le contenu en général, et me suivre sur le Twitter, où je suis très actif. Merci à tous. Un bon jeu. Et à la prochaine pour le troisième épisode de Miles Edgeworth Ace Attorney Investigation.